Marine Coty-Esluz, fondatrice de Lucine. Lucine est une start-up. Asseyez-vous, Marine. Erwan Bézard va s'asseoir à côté de vous. Fondatrice de Lucine, c'est une start-up bordelaise qui développe le premier e-médicament pour prendre en charge la douleur. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Bordeaux. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était à O21, c'était au Rocher de Palmer. C'est un autre événement qu'organise Le Monde. Et là, bah, vous l'avez dit devant tout le monde, donc je pense que ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un projet qui est né totalement par hasard. Non, tout à fait. Ce n'est pas un projet qui est né totalement par hasard, tout simplement parce que je suis chercheuse, mais aussi douloureuse chronique. Et tout simplement, ben, j'ai voulu trouver une solution à mon propre problème. Et quand j'ai levé la tête, je me suis rendu compte qu'on était 100 millions en Europe, quand on était 12 millions en France, et que ça touchait 50% de la population mondiale. Et alors, quand on dit douloureuse chronique, je me souviens que la dernière fois, ça vous avait envoyé aux urgences la nuit d'avant. C'est pas j'ai un petit peu mal au bras. Tout à fait. Alors, ça va mieux depuis. Ça va mieux depuis parce que j'utilise ma solution maintenant, parce que la première est terminée. Et donc, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais à peu près à 3 fois par jour de morphinique. Et aujourd'hui, eh bien, ça fait maintenant 4 mois et demi que je n'en ai pas pris, je ne prends plus rien. Lucine, une start-up, merci beaucoup.